Bonjour tout le monde, ici Malok Daniel et bienvenue à l'épisode numéro 4 de... Planet Coaster. Oui. Et oui, aujourd'hui on est en train de commencer le quatrième épisode, on est en train de s'amuser de cette montagne russe parce que il y en a plusieurs d'entre vous, en fait, je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui ont laissé un commentaire demandant à ce qu'on met des freins de cette montagne russe parce qu'il semblerait qu'il est peut-être un petit peu trop rapide, qu'on peut pas vraiment apprécier. Oui! Les décorations et tout. Donc... je suis en train de juste regarder ici en ce moment, là. Donc, ce serait genre un entour d'ici. Wow, ouais, ça va. C'est ça. Ça va quand même assez vite. Et puis ici, on a nos freins et tout. Donc, ouais, OK, on va commencer. On va faire ça. Bon, donc, vous vous demandez peut-être, c'est quoi que je suis en train de faire une vidéo de montagne russe les samedis? Eh bien, il y a quelque chose de ridicule qui se passe en ce moment sur la chaîne. Franchement, là, c'est absolument fou. Il y a une quantité industrielle de personnes, bonjour tout le monde, qui se sont ajoutées à la chaîne en tant qu'abonnés. Les vidéos de Planet Coaster, c'est comme la grosse affaire. Je suis en train de penser, si je mets les freins là, c'est-tu juste assez, puis ça va-tu ralentir? On va tester ça juste pour le fun. Oui! Au. Je pourrais peut-être mettre des freins là aussi au début, quand ça commence à descendre. Ouais, ça ici aussi, j'aimerais bien ça pouvoir essayer de rendre ça un petit peu plus smooth. Ça me semble serait le fun. Oh, puis j'ai une nouvelle idée aussi. Vous allez attendez que vous voyez ça, ce que je veux faire. Je veux faire quelque chose dans l'épisode aujourd'hui. Je veux le faire drette ici. On va faire quelque chose de fou, d'intéressant, de crazy. Mais là, OK, voyons. Donc ici, on monte. Il y a les freins. Donc là, on a ralenti un petit peu. C'est-tu mieux, ça? Oh! C'est pas pire, ça. C'est mieux, ça. Puis t'arrives ici tout doucement, de même. Je pense que c'est mieux, ça, j'espère. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est mieux de même. Mais je pense que c'est pas pire. Puis là, c'est quoi l'autre affaire que je pensais faire ici? Je voulais juste mettre des freins ici. En haut, là. Voyons, toi, là. Et puis, c'est dommage qu'il faut que je passe à travers de tout ça. Et des tracks, etc. Mais bon, c'est le même que c'est. OK, donc, là, c'est ce que la chaîne termine. Donc là, je vais mettre freins. OK, donc, t'as mis des freins là. Donc là, ça va faire que je descends peut-être un petit peu moins vite. Ce qui est peut-être bien. Et puis ici aussi, on va tuer les arbres parce que là, je commence à être tanné un petit peu de passer à travers des arbres. Dans Roller Coaster Tycoon 3, quand t'as des arbres, ils étassent, mais bon, c'est bien que c'est. Détruis l'arbre, OK. Et détruis l'arbre. Et puis, peut-être une dernière petite chose ici, vite, si vous me permettez. Non, je veux. Toi. Pourquoi tu me laisses pas? C'est quoi le problème, là? Edit track. Toi. Je veux faire du... smooth. Tout le monde en dit ensemble, OK? Smooth. Est-ce que vous êtes en train de dire? Je vous entends pas. Smooth. Et... smooth. Ça change-tu quelque chose, là? Smooth. Il me semble que j'avais fait ça aussi dans la dernière fois quand je l'avais bâti. Smooth. Et... smooth. OK, donc voyons voir c'est quoi ça donne avec nos nouveaux freins. On va faire ça. On va faire start. Y a-tu commencé? Oui, il a commencé. OK. Puis on va embarquer dedans. Et puis oui, un épisode. C'est quoi ça, un épisode? Oui. Les samedis, d'habitude les samedis c'est une différente série, ben je voulais dire bonjour à tout le monde parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe, franchement là, pour quelque raison, il y a plein de gens, vous êtes comme une genre de vague, un genre de tsunami, pendant la dernière semaine là, le nombre de gens qui sont venus sur la chaîne, le nombre de gens qui se sont abonnés, j'ai jamais vu ça, je suis super content de vous voir, je suis super content de voir qu'il y a tant de gens qui aiment ce jeu-ci, puis qui aiment les vidéos, et puis qu'on est en train de faire ça ensemble, franchement, je trouve ça super le fun, les commentaires, les pouces verts, tout, là, ça fait super chaud au cœur. OK, voyons voir ici vite, le frein, donc là ça freine, donc ici ça devrait nous ralentir un petit peu, là la question va être, est-ce que je vais quand même pouvoir, ouais OK, je roule quand même assez vite, donc j'aurais été capable de, ici ça va être plus doux, c'est un petit peu plus doux. Ouais, ça fait encore le saccade un petit peu. Peut-être qu'on peut arranger ça, mais un autre tantôt. Et ici, on a la grotte. Oui! OK. Et maintenant... ben, l'autre place, on l'avait déjà vu, me semble. Ah oui, mais est-ce qu'on peut se rendre jusqu'au bout? C'est ça la question. Parce que là, je suis déjà ralenti, parce que je peux aller aussi vite que la dernière fois. Et... ouais, je peux facilement me rendre. OK, là, les freins ici. Oh, ça me ralentit beaucoup. Oh, je vais-tu monter jusqu'à... oh! Oh! Avant! Ah, non! Oups! OK, on est pris. Ça, c'est pas bon. J'ai peut-être mis un petit peu trop de freins. Donc, il est où, lui, là?
Il est juste pris là de même. Ah, ok. Ben. Ok, on va revenir ici. On va éteindre ça. On va arrêter le track. On va enlever les freins ici. On va enlever les freins ici. J'ai l'impression, il y en a certains d'entre vous qui ont dit que c'était peut-être un petit peu intense. Oui, c'est un petit peu intense. C'est supposé d'être montagne russe un petit peu intense aussi, donc c'est correct. Mais, je veux dire, il faut quand même qu'elle avance, là. On peut pas l'avoir qui avance pas du tout. Putain. Ok, donc on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Là, j'espère que les gens vont pouvoir en profiter. Bon, alors, pourquoi d'autre est-ce que je suis en train de faire une vidéo aujourd'hui? Puis là, je vais commencer à m'amuser là-dessus, ici, là. Parce que c'est samedi, puis d'habitude, samedi, j'ai un autre. Je fais autre chose. Rock Skull. Non, je veux pas ça, je veux juste des roches. Faire une genre de grotte ici. Je veux pas vraiment vous dire exactement c'est quoi je vais mettre ici. Je veux que ce soit un petit peu une surprise. Mais entre-temps, hein, je peux quand même bâtir quelque chose. Donc, ouais, typiquement, les samedis, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir... c'est quoi qu'on joue d'habitude? C'est on joue à Software Inc. Et peut-être que vous êtes en train d'écouter ça ici, puis vous êtes les gens qui sont là pour Software Inc. d'habitude. Et puis vous vous demandez peut-être pourquoi... c'est où Software Inc? Il est parti où? Le problème avec Software Inc, c'est que à chaque fois qu'il y a une mise à jour du jeu, je perds littéralement l'habileté de pouvoir ramasser mes sauvegardes ou de pouvoir ouvrir mes sauvegardes. Donc ça fait vraiment, vraiment chier. C'est plate. Mais c'est le même que c'est. Et puis... ils ont genre fait un petit whoops. Là, en ce moment, ils sont à l'alpha 8. Nous, on jouait sur l'alpha 7. C'est quand on avait commencé, c'était l'alpha 7. Et puis, ils ont comme fait à ce que le... la version vieille, elle a changé à 8 en plein milieu de la série. Donc, je peux plus accéder à tout ce qu'on avait fait. Je trouve ça super, super plate. C'est vraiment, vraiment plate. Donc là, pour me détanner un petit peu, là, parce que je voulais pas recommencer à zéro, mais je peux pas ouvrir le jeu, je peux pas ouvrir la sauvegarde, c'est tout perdu, donc je me suis dit, aujourd'hui, on va jouer un petit peu à Planet Coaster, parce que Planet Coaster, ça détend. Ça détend. Et puis, c'est tout ce que je vais dire là-dessus, je pense, je veux pas chialer trop, c'est quand même un bon jeu. Si vous êtes les gens, ou si vous êtes là d'habitude, puis vous écoutez habituellement la série, je vous inviterais à me savoir c'est quoi vous voudriez faire. Est-ce que vous voudriez recommencer à neuf? Ou est-ce que plutôt on commence une nouvelle série? Il y a eu des suggestions genre de jouer à Cities Skylines, ce serait super le fun. Ça fait un bout, j'ai pas joué à Cities Skylines, il y a eu toutes les modifications. La dernière fois qu'on a joué à ça ensemble, j'avais fait une vidéo juste qui expliquait genre c'est quoi qui est arrivé dans Snowfall. Donc on pourrait se faire une ville dans la neige, ce genre de choses-là, ce serait super le fun. Donc laissez-moi savoir, c'est quelque chose que je suis bien curieux. Soit on recommence Software Inc. ou on fait du Cities Skylines. Ouais, donc autrement, c'est quoi qui se passe, je veux dire, là, je suis en train de m'amuser à faire genre de grotte, vous savez pas trop exactement pourquoi, c'est la grosse surprise, je veux vraiment que ce soit une surprise, je veux pas vraiment montrer exactement c'est quoi, je vois des commentaires, quelle autre sorte de commentaires que je vois, est-ce que tu peux faire plus de manège? Oui, j'ai des planifications pour faire plus de manège, je sais que je passe beaucoup de temps dans les décorations, et je passe beaucoup de temps avec cette montagne russe ici, mais la raison pourquoi, c'est parce que c'est tellement, tellement plaisant faire des décorations dans ce jeu-ci, comparé à Roller Coaster Tycoon 3, qui veut pas, c'était bon Roller Coaster Tycoon 3, mais ça commence à étager un petit peu. Puis, il y a aussi, il y a pas grand montant de manège dans ce jeu-ci, puis je dirais, c'est peut-être là où ce que Roller Coaster Tycoon World a peut-être un petit peu un avantage, ou en tout cas, ça semble être le muscle qui semble flexer, si on veut. Ils ont plus de manège en ce moment, malgré le fait que leur jeu est plein de bugs, ça joue pas bien, c'est pas le fun, puis je le recommande pas généralement, là. Franchement, là, je pense pas que ça vaut la peine pour le moment. Si vous pensez vous l'acheter, attendez un petit peu, attendez qu'ils sortent avec quelque chose d'un petit peu plus réparé, disons. C'est évident qu'ils sont en train d'essayer de gagner, si on veut, la course avec plus de manège. Et puis, ben, je le blâme pas, je veux dire, ils se sont fait complètement détruits quand ce jeu-ci est sorti. Ils semblent vraiment, vraiment s'en fait pogner avec leur culotte baissée, là. Ils semblaient vraiment, vraiment surpris. Là, pensez pas, ah, mon oncle est juste en train de bâtir une autre grotte, c'est plate. Non, là, vous allez voir, je fais ça pour une raison, ça va être le fun. Là, je vais réaliser ici, je mets... Les roches sont pas assez basses, merde, faut pas que ça paraisse par contre. Putain, ça paraît pas ça, ça paraît pas, tout le monde vient de crier, ils sont super contents. Vous savez quoi d'autre que j'ai découvert aussi? Genre, pour quelque raison, puis vous avez peut-être remarqué, je l'ai peut-être mentionné aussi dans la série de Fallout 4,
Pour quelle raison l'ordinateur... Ben non, c'est certain, je l'ai mentionné dans la série de Fallout 4, où ce que j'étais dans la Stifi d'Avery 81, ça arrêtait juste pas d'arriver, là. Où c'est arrivé, en tout cas, c'est... Quand je rentre dans une place... Non, pas quand je rentre dans une place, c'est que parfois... Merde, je viens de mettre 4 roches comme exactement pareil. Pour quelle raison mon ordinateur commence à geler? Eh bien, je sais toujours pas c'est quoi qui cause ça. Mais j'ai découvert que pour quelques raisons, si ça arrive, ce que j'ai à faire, puis si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, puis pour quelque raison, des fois, les jeux semblent ralentir super beaucoup, mais autrefois, genre, ils ralentissent pas du tout. Tout ce que j'ai besoin de faire pour régler le problème, c'est que j'ai besoin d'ouvrir Chrome, le navigateur Chrome. Ça fait pas de sens, je comprends pas, je sais pas pourquoi. Mais comme ce jeu-ci, aujourd'hui, quand je l'ai ouvert, il renaît à genre 10 FPS. Là, je commence à maudite merde, 10 FPS, je peux pas faire une vidéo à 10 FPS, ça va être super laid, ça va pas être le fun. Eh bien, tout ce qu'il me fallait, c'est qu'il me fallait d'ouvrir... Oh mon Dieu, j'ai laissé des trous énormes! D'ouvrir Chrome, et voilà! Le jeu maintenant, il run à, je pense qu'il est à 40 FPS en ce moment. Je suis pas capable... Mon ordinateur est pas assez puissant pour se rendre à 60 ou 70, mais bon, c'est le même que c'est. Mais ouais, ça fait-tu assez chier, ça? C'est-tu assez étrange? Je comprends vraiment, vraiment pas pourquoi. Check ça, toi, ça te laisse pas quoi? Ah, merde, j'ai laissé des trous partout. OK, vous vous demandez vraiment, vraiment peut-être pourquoi je suis en train de faire ça. Attendez un petit peu, là. Au lieu de juste vous ennuyer, là, avec moi qui parle de cochonnerie de mon ordinateur qui fonctionne pas, je vais vous donner un indice. OK, est-ce que vous le voyez, l'indice? Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a une pieuvre. Il y a une bibitte de pieuvre. Il y a quelque chose de pieuvre. Il y a quelque chose de pieuvre qui va se passer ici. Oui, quelque chose de très pieuvre. Très, très... Oh! Là, la patte encore. Oh! Et elle disparaît. En fait... En tout cas, je veux pas dire plus que ça. Je veux pas dire plus que ça. C'est un secret. Vous allez sûrement voir. Écoutez, vous... dans quelques minutes, avec le montage que je fais, ça va être là pour vous. Moi, ça va me prendre encore peut-être une demi-heure ou quelques pour placer des roches ici, là. Mais c'est parce que c'est le même que c'est, puis c'est correct parce que j'aime ça faire ça. Ouh, c'est beau. Est-ce que vous commencez à deviner c'est quoi je suis en train de faire? J'essaie de mettre de l'herbe, là, mais le soleil est en train de se coucher, puis je vois absolument rien. Ils ont pas toujours... Voyons, je suis plus capable de parler. Ils ont toujours pas mis le jeu à jour, parce que je peux voir exactement ce que je suis en train de faire la nuit, là. Et comme ça... Et je vais en mettre un autre par-dessus parce que celui-là, je l'ai manqué un petit peu. Si vous avez déjà joué à ce jeu-ci, ou en fait, ça se peut très bien que quelqu'un d'autre a essayé de faire quelque chose de semblable sur YouTube, je sais pas, j'écoute pas les vidéos que les autres y font avec ce jeu-ci, franchement. Vous avez peut-être une idée, c'est quoi je suis en train de faire. Sinon, je peux ajouter un deuxième indice. Hein? Vous me donnez 2 secondes, je vais ajouter un deuxième indice. Ok, avec le lever du soleil, voici votre deuxième indice. La même chose que le premier indice. Mais c'est juste un petit peu plus gros. J'adore, malgré le fait qu'on a pas d'eau, franchement, j'adore le fait que ça a l'air quand même... Ça a l'air quand même pas pire comme eau. Il va vraiment falloir que... Oh, attention. Qu'à l'entour, genre, j'ajoute des genres de buissons de même un petit peu partout. Parce que, autrement, ça a juste l'air trop pas comme de l'eau. Quand tu vois ça de même, c'est tellement solide, là. Mais si t'ajoutes des petits foins, là, un petit peu de même à l'entour, là, d'après moi, là, juste un petit peu de même, là. Si t'ajoutes genre des petits buissons de même un petit peu partout, ça va avoir de l'air comme de l'eau. Mais là, ici, pour ce que je suis en train de faire, j'ai certainement besoin des foins, des petits buissons, ce genre de choses-là ici. Parce que dans ce genre d'environnement-ci où ce qu'on est, il y aurait du foin et ce genre de choses-là. C'est inévitable, c'est inévitable. Donc on va juste ajouter du foin tout le long ici de même. Il y en a qui me demandent, puis j'ai trouvé un super bon lien que je vais mettre dans la description. En tout cas, j'espère que je vais me rappeler de mettre dans la description. S'il n'est pas là, laissez-moi savoir, je vais l'ajouter. Il demande genre quelle sorte de fonctionnalité qu'il va avoir dans ce jeu-ci quand il va sortir. Et puis, je vais admettre que j'étais pas trop certain. J'ai fait un petit peu de recherche, par contre. Et puis, j'ai trouvé, il semblerait qu'il y ait des gens sur les forums de Frontier, qui sont les gens qui font le jeu, qui ont créé une genre de liste. Un genre de document Google, si on veut. Et puis, le document Google, c'est toutes les différentes fonctionnalités qui ont été confirmées par le jeu. Donc, tous les différents thèmes, tous les différents manèges, qui vont probablement être là quand le jeu va sortir. Là, je vous rappelle, le jeu devrait sortir... C'est quoi il devrait sortir, ce jeu-ci? Il devrait sortir vers la fin de l'année, je pense, pour Noël. Donc, il reste encore un petit bout. Il reste encore un petit bout. Et puis pour ceux-là qui se demandent comment on fait pour jouer à ce jeu-ci, j'aimerais ça l'acheter puis tout. Vous pouvez l'acheter tout de suite pour pas cher. Si vous voulez jouer tout de suite, par contre, il faut payer plus cher. C'est
Je suis pas certain si je suis d'accord exactement avec comment ils ont fait ça. En fait, ce qui arrive, c'est que le jeu est 25$. Mais si vous voulez jouer tout de suite, il faut payer quelque chose comme 75$. Et puis c'est en dollars US, ça. Donc c'est... Je sais pas, je trouve ça... croche un petit peu. Parce que d'habitude, c'est le contraire. Comme si on regarde Software Inc. Software Inc, ils veulent sortir... Ben, je sais pas ce qu'ils veulent sortir, mais ils sont en alpha encore, eux aussi. Et puis ils disent, le jeu est le moins cher qu'il va être en ce moment, et le plus qu'on s'approche, le plus qu'il va devenir cher. Oui, ça fait du sens. Je sais pas dans ma tête, c'est même ça devrait être, non? C'est même ça devrait être. T'es en train de mettre de l'argent dans quelque chose que tu sais pas si ça va sortir pour de bon. Pourquoi est-ce que tu paierais plus? Ça doit être l'affaire la plus étrange que j'ai jamais fait dans un jeu. L'idée de mettre des affaires dessus un plafond à l'intérieur de même. Il y a aussi quelqu'un qui avait suggéré, genre, pourquoi est-ce que je mets pas des décorations à l'intérieur du château, de la ligne d'attente. Je suis bien d'accord. C'est pas quelque chose qu'on faisait vraiment dans Rollercoaster Tycoon 3. Parce que les décorations étaient vraiment bâties pour être vues de l'extérieur. Puis aussitôt tu commençais à faire ce genre de choses-là à l'intérieur, eh bien, ça commençait à avoir de l'air un peu étrange. Parce que c'était évidemment pas fait pour ça. Là... pour quelle raison? Le plus loin que je vais, pour qu'il... Il pense que c'est super loin, je veux pas aller super loin, je veux juste aller à l'intérieur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais... Oh! Oh! Non, Drit, là, c'est quoi? T'es où? Ok, il est là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, descends. Je pense qu'il essaie de rester comme... à l'intérieur. Check ça, c'est pas mal cool. Les affaires de même, ça a l'air drôle un petit peu, je trouve. Je sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire à propos de ça. Ok! Et voilà de quoi ça a l'air. Et maintenant... quelque raison, j'ai un arbre. La pièce de résistance. La réponse, c'est quoi exactement qui va aller ici? Eh bien, ça va être, si on va avoir du props, cette affaire-là, Kraken Monster! Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu gros. C'est un petit peu gros, c'est un petit peu intense. J'espère que je l'ai bâti assez grand pour cette affaire-là. Là, attends un petit peu. Ok, on va descendre de même. Là, je veux juste qu'elle flotte assez. Je veux que les pattes restent dans l'eau parce que je veux que ça ait l'air comme si les affaires soient les pattes. Je veux... C'est ça, exactement. Je veux que les yeux flottent juste de même. Brrr! Si je vais de même. Ça donne quoi ça? Ça donne pas pire si je cache ça. Ah, les pattes. Non, faut que tu descendes un petit peu parce que tes pattes. Merde! Brrr! Faut que les tentacules restent en dessous de l'eau. Non, t'as-tu peur. Ok, tu rentres en dessous de l'eau. Tes yeux, ils sont drettes, là. Qu'est-ce qui arrive quand tu cries super fort? Oh mon dieu, c'est tellement cool! Ok, donc il y a comme 8 pattes. Je suis en train de penser mettre une couple d'autres pattes. Je sais pas trop comment loin les pattes doivent être. Je pense que ça doit être bon pour cette patte-là. Juste faire sûr qu'elle sort pas... Ouais, ça devrait être bon de même. Et puis une autre, disons, qui fait comme ça. Faut juste pas qu'ils soient tous en même temps. Mais ouais, on a des pattes. Check ça. Rawr! Donc là, on a un genre de monstre, pas tant de choses de Kraken. Y'a-t-il une montagne russe qui s'en vient par ici de bientôt, là, qu'on va pouvoir juste... Elle s'en vient. Ok, t'as peu. Et... hop! Merde! Hop! Hop! Check ça, toi! C'est tellement... Oh mon dieu, j'ai tellement le goût d'utiliser ça comme mon icône sur YouTube. Mais si je fais ça, je vais pas pouvoir garder la surprise. Oh non! Oh non! Je veux vraiment... Check ça! Comment est-ce que je peux pas mettre ça comme icône? C'est tellement trop extraordinaire! Check ça! Y a pas personne qui regarde, par contre. Ils réalisent pas qu'il y a un gros monstre ici qui est comme... Hey, je vais vous manger. Oh wow! Oh mon dieu, je capote. Wow, check ça, toi! Avec le coucher de soleil. Ça a l'air tellement étrange, le fait que le soleil il passe en dessous ici. Les yeux qui brillent en plus. Tiens, on a quelque chose de pas mal cool, là. C'est plein de lueurs bleues à l'intérieur. Et puis à l'extérieur ici, j'ai essayé de faire genre quelque chose d'un petit peu plus... Le pâle, j'ai essayé de cacher les lumières un petit peu. Quand on la regarde ici, ça paraît un petit peu moins, mais ça paraît quand même. Je pense que j'ai un petit peu de travail à faire pour vraiment cacher les lumières comme il faut. Puis je pense que c'est le genre... Ce que j'essaie de faire quand j'essaie de cacher les lumières, vraiment, c'est juste de mettre des arbres alentour. Parce que c'est... Check. Ça paraît plus vraiment. Parce que, ben, ça paraît que la lumière vient de quelque part. Oui, je sais, gros monstre, t'es fâché. Ça paraît que la lumière vient de quelque part, mais ça paraît pas... Tu peux pas voir la lumière comme telle. Tu peux pas voir le genre de grosse ampoule, pas tant de choses, là, qui flashent les lumières partout. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de cacher les lumières dans les arbres de même. Si je peux faire ça un petit peu partout, ça serait super. Puis là, ça aurait juste l'air comme la lumière ambiante aussi.
sais, si c'est en arrière de la montagne, il n'y a pas grand gens qui vont aller en arrière de la montagne, donc c'est pas la fin du monde si c'est super évident. C'est vraiment plus en avant de la montagne comme ceux-ci, là. Il faudrait vraiment que je les cache. Tiens, ça nous donne quelque chose comme ça, puis là, ça paraît plus vraiment du tout. Sauf pour à l'intérieur de la maudite grotte. Maudite merde, il y en a donc ben. Ah merde, pourquoi j'ai mis tant de lumière que ça? Roar, je sais, ok. Attends un petit peu là, faut que je vienne ici. Bonjour. Tu pues. Ah, tu pues de la bouche. Attends un petit peu, faut juste que je vienne mettre des affaires de même pour cacher les lumières qui te flashent dans les yeux. Pourquoi je peux pas voir comme il faut là? Oh boy, ok. T'as pas besoin de m'arroser, t'as pas besoin. Oui. Merci beaucoup, c'est dégueulasse. C'est pas de même. Non, là, ça sépare encore ça. Attends un petit peu, CTRL Z. Puis si je lève un petit peu, mais je veux pas que la. Ouais, je. Je veux pas que les feuilles soient dans la lumière plus qu'il faut. Comme ça, ça c'est parfait. Presque parfait. Ça c'est parfait, ça paraît pas qu'il y a de lumière là, mais il y en a une drette là. Oui! Ah, je peux tellement pas mettre ça comme l'icône du vidéo. Mais ça veut dire que vous allez déjà savoir c'est quoi la surprise. Tout le long que je suis en train de dire, vous savez pas c'est quoi, vous voulez savoir c'est quoi. Oui! Ah, check là, au loin, c'est tellement cool. Donc, écoutez, je vous laisse ça là. Je sais que ça va être un épisode un petit peu plus court cette semaine, mais bon, je vous donne quand même un épisode aujourd'hui et un épisode mercredi. J'ai une très bonne idée de ce que je vais vouloir faire, mes prochaines affaires, peut-être une nouvelle montagne russe, parce que ça fait un bout qu'on travaille dessus celle-ci. J'ai une couple d'idées, là. C'est quoi exactement qu'on va faire? Mais bon, je vous invite toujours à laisser des commentaires, des suggestions, toutes ces affaires-là. Vous avez laissé des noms extraordinaires pour les nombres de phares. J'ai pas encore décidé exactement c'est quoi. Mais autrement, on va terminer aujourd'hui en écoutant ces gens-là. Puis je vais dire encore une fois merci beaucoup à tout le monde. Tout le monde qui sont là depuis le début. Et puis tout le monde qui sont nouvellement abonnés. Franchement, là, on s'amuse juste bien trop avec ce jeu-ci. Donc voilà! Je vous laisse avec ça ici, puis je vous dis à la prochaine!